Le samedi 24 octobre, TMC poursuivra la diffusion de la saison 23 des Mystères de l'amour. Un nouvel épisode inédit du feuilleton, porté par Hélène Rollès et ses amis, sera à découvrir en Access Primetime à partir de 19h50. José provoque, Béatrice rage en attendant, le troisième spin-off d'Hélène et les garçons continue d'alimenter les grilles de TMC en semaine. Ce lundi 19 octobre, le canal 10 de la TNT a misé sur une rediffusion de La Main de Dieu entre 9h14 et 10h19. Au cours de l'épisode, José a joué la carte de la provocation. En voulant attiser la jalousie de Béné, il s'est attiré les foudres de Béatrice. Cathy a assisté impuissante à une guerre ouverte. 4 morts, Fanny déroutée chez Hélène, la tension était palpable. Des hommes armés ont préparé une attaque à la demande de Maurizio. Hélène, Manuela, Élise et Ingrid ont été assassinés, avant que les téléspectateurs ne découvrent qu'il s'agissait d'un cauchemar de Lali. Fanny, quant à elle, a éprouvé de nombreuses difficultés à sortir son père, John, des griffes de la secte de Sigmund. Audience catastrophique pour TMC. Côté audience, les Mystères de l'amour ont plongé dans les profondeurs de la TNT. Si son succès ne se dément pas le week-end, le feuilleton de Jean-Luc Azoulay a été déserté par les Français. L'épisode La Main de Dieu a peiné à atteindre le cap des 20 000 curieux, tandis que la part de marché s'élevait à 0,5% auprès de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus.